Francel Moussiessié et Cédric Massala du Congo, qualifiés pour le tour suivant de la compétition de boxe des 11e Jeux africains. Le premier était opposé au Nigérian Muhyiddin Oyayi Kodjo dans la catégorie des moins de 50 kg ce 8 septembre 2015. Le Congolais a remporté les trois rounds du combat en obtenant 30 points contre 27 pour son adversaire. Cédric Massala, de son côté, a battu Bitangila Kayembe de la République démocratique du Congo par arrêt de l'arbitre au deuxième round suite à une blessure du boxeur de la République démocratique du Congo. C'est un grand plaisir de voir tout ce public qui me supporte. Et pour ne pas le décevoir, c'est juste la victoire. Et ils ne veulent rien de moi, rien que la victoire. Ce qu'ils peuvent manger, c'est juste la victoire. Rien que la victoire. J'ai bien préparé le combat aux Jeux africains. J'ai donné mon volonté, toute mon volonté, j'ai donné aux Jeux africains. Je suis sûr, je vais les porter les médailles d'or. Moi, je suis sûr. Les boxeurs congolais n'ont jamais franchi le premier tour d'une compétition internationale depuis 1975. 10 boxeurs défendent les couleurs congolaises dans ces 11e Jeux africains. 5 se sont déjà hissés au deuxième tour depuis le début de la compétition, le 6 septembre 2015. Après que nous avons subi des événements, la boxe a vraiment descendu, mais nous sommes en train de relever le niveau de la boxe petit à petit. C'est les qualités athlétiques, hein, parce qu'ils ne sont pas encore chevronnés, ils n'ont pas encore l'expérience. Comme ils sont en train de monter petit à petit, on va améliorer la technique et la tactique. 174 boxeurs venus de 34 pays sont en compétition pour le cinquantenaire des Jeux africains. La compétition prendra fin le 12 septembre 2015.